ça, l'eau comme un calme. On voit même l'encre Delta plantée dans le sol. On est maintenant à Big Farmer Cay, toujours en quarantaine sur l'eau depuis maintenant un mois. On continue de pêcher comme passe-temps et pour diversifier nos assiettes. On est arrivé à la pêche! Wouh! Un beau spot. Ça s'est mouillé assez fort. Hein, Patrice? Mais on n'a pas assez de poissons, là, fait qu'on continue un peu, là. Dans l'eau, on est bien. Ouais. Vraiment bien. Dans l'eau, on est très bien. Attraper là, Pat! Hop, nous là! Parce que là, je vois pas une radio. Il faut manger, fait que ça nous en prend un peu. Hein. Ouais. Une belle. Malade. 4 mangoustes. Là, il y a une fiche. 3 lionfish. Un hot fish. Tabarnan! Bon, ça! Ouais. On se fait des sushis! Sushis! On va te voir une petite dernière oui, 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 oui! Ensemble, ouais, ça peut. Tout le monde ensemble! Tout le monde! Mets toutes mes palmes, là! Ou si t'arrives, là, ferme le moteur, puis tu lances, puis saute pendant l'année! Pas chouette si tu mets ta main. On sait pas si où! On utilise l'eau claire mais salée de l'océan pour se laver, faire la vaisselle et laver le voilier. Cependant, Atypique n'a pas de désalinisateur. Donc, on n'est pas autonome en eau potable. En temps de pandémie, on essaye de rester loin de la civilisation le plus possible. L'eau est la ressource essentielle qu'il nous manque en premier. Heureusement, le voilier Exode dans la baie avec nous est équipé d'un désalinisateur et ils nous ont offert de nous fournir l'eau pour boire. Merci Vicky, merci Pat, on l'apprécie énormément. Oh non, Wendy, maman s'en va. Où est-ce qu'elle s'en va, maman? Pourquoi tu pars? Reviens! Ce soir, on dit au revoir à PO du voilier Orange. Merci. Reculons, pas game! J'échappe pas le vent, là! Lâche pas, Patrice! Il y a quoi de t'aimer? Félicitations! Ça va où? Hey, c'est beau! Vas-y, Éloi! Y'a ça! J'imagine que vous vous demandez pourquoi on fait des bruits d'animaux. Eh bien, aux Bahamas, il y a cette tradition de souffler dans les conques pour émettre un bruit de corne lorsque le soleil glisse sous l'horizon. Comme on n'en avait pas, le groupe a commencé à faire toutes sortes de bruits d'animaux au lieu et notre tradition est restée de soir en soir. Aujourd'hui, on a le cœur à la fête. On fait un party, comme diraient mes enfants, parce que c'est Pâques et le lapin nous a trouvés même au milieu de nulle part. Joyeux Pâques! Il y a des cocos partout. Il y a des cocos partout. Trouvez-les. Trouvez. Moi, j'ai dans un domaine. Moi, j'ai mis ici. T'as tout trouvé ceux-là, Lou? Ouais. Wow! Amy, toi? T'as trouvé ceux-là? Les enfants ont eu leur chocolat et nous, on veut du poisson pour souper. À chasse! En bas avec une corde attachée à mon pied. On prépare l'eau parce qu'on est dans un courant. On arrive au slack tide. J'espère que ma corde n'a pas eu pas dans l'échelle. Bye! Bonne pêche! Cherche des patates. OK. Ramène du poisson, là! Au menu ce soir, on a un lion qui est en poêle en train de se faire cuire. On va avoir une belle cigale des mers, ma première, je suis fier de moi. Puis un beau crabe, évidemment, la tête est coupée, il reste les pinces et les petites pattes. Fait qu'on a beaucoup de pokéball. Fruits de mer. Les fruits de mer, ouais, c'est ça. On est arrivé à Rudder Cut Cay. On est parti le matin de Farmers. Big Farmer. Big Farmer. Puis on est arrêté ici parce qu'il y a un piano sous l'eau. Qu'on n'avait pas replongé depuis que notre instructeur est venu à bord, que ce serait notre première dive. Officielle ensemble. Exact. En binôme. En binôme.
Magnifique plongée, Véro! Ouais, vas-y. T'es malade! C'est débile. Ouais, là, il commence à avoir un peu de courant, fait qu'on était dans Slack Tide. Fait qu'on va retourner au bateau voir ces belles images-là. La dive a super bien été. Je ne peux pas avoir une meilleure première dive toute seule. C'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. En tout cas, ça fait longtemps que je plonge. Je plonge depuis que j'ai 16 ans. J'adore ça. Puis c'est vraiment un rêve que j'avais de pouvoir plonger en état autonome, de ne pas toujours être obligé de refaire le cours de base. Puis juste pouvoir y aller, me sentir en confiance quand j'y vais. Que c'est vraiment cool. Là. On est allé se promener un peu aussi avec des petites plantes aquatiques là, un peu plus bas. On était dans du 20 pieds. C'était le plus creux qu'on était depuis qu'on est au Bahamas, au fond, parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de profondeur. Mais c'était vraiment cool. On a eu des belles shots. Puis, on tripe. C'est qu'on tripe. Il nous reste deux autres bourbon shacks. On en a six total. Il nous en reste quatre pleines d'air. Okay, je ne sais pas où on va replonger, mais j'ai déjà hâte. Après notre arrêt à Rudder Cotke, on a continué jusqu'à Lee Stocking Island. Autrefois, cette île servait de centre de recherche marine, mais elle a été abandonnée et est maintenant déserte. On va essayer de prendre de la noix de coco. Go, Patrice! Wouh! Belle récolte, ça! Bon, mais là, on a fini de couper les coconuts. Fait que là, on va se faire des drinks. On a notre réserve d'ananas. Ah, notre rhum, évidemment. On en a d'autres, mais... Le dinghy est plein. Fait que là, tu vas nous faire un trou là-dedans? Ben, ça va être tout simple. On va essayer. Oh, voilà. Moi, c'est beau petit trou. Donc, on va verser ça dans le drink. Perfect. C'est le drink qui nous a pris le plus longtemps à faire. Parce qu'on est allé sur une île, les cocos étaient vraiment accessibles, puis il y avait des échelles qui traînaient partout. Fait que ça a été vraiment simple d'aller chercher un dinghy rempli de noix de coco, puis les ramener ici, les travailler. Moi, j'ai fendais au bout, puis sur les côtés. Véronique, elle les pétait sur le taquet d'en avant qui est fort en acier. Là, elle les séparait là-dessus. Puis pour ressortir la noix de coco, personne ne l'a drillé, puis on s'est fait un drink. Vraiment bon, mais là, on comprend que c'est tough. Quand tu le vois au magasin, c'est facile. Mais allez vous préparer un vrai drink avec les noix de coco dans les arbres, on s'en reparlera. C'est pour ça qu'ils sont chers au magasin. Exactement. On est bien fiers de nous autres. Je suis allé peaufiner ma technique ce matin pour ouvrir les noix de coco. Au début, on arrachait, là. C'est vraiment dur de les ouvrir. Puis là, on prend une minute par noix de coco. Je suis allé ouvrir un rack à matin. On a 17 noix de coco. La chair est épaisse. L'eau est bonne pour se faire des drinks. Je mets ça dans mon gruau le matin. Mouah! Si vous avez aimé ce moment avec nous, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo. Et on tient à dire un gros merci à tous nos Patreons. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à publier des vidéos gratuites sur YouTube. Vous avez été tellement nombreux dans les dernières deux semaines qu'on va séparer les noms en deux épisodes. Donc si vous ne voyez pas votre nom aujourd'hui, mais c'est dimanche prochain. Donc merci à Samantha Durkee-Morris, Stéphanie Renaud, Clara Fournier, Marcel Côté, Fifi, Vivi, Mini et Gigi, Yannick Saint-Martin, Martine Pellerin, Serge Poliquin, Simon Boisclair, Ben Latulippe, notre gagnant, notre concours, Hugo, Roger et Nancy Allard. Merci à François Lalonde, Mélissa Saint-Jean, Cynthia Delille, Mariette et Georges Maurice, Benoît Martin-Blais, Sonia Cossette, Mélanie Duchesneau, Mariska Germain, Alexis Guillard et Jean-Pierre Coron. Merci beaucoup à nos nouveaux Patreons. Merci, Tiwin! La semaine prochaine, on continue d'explorer Lee Stocking Island.
On fait une randonnée jusqu'à une plage incroyable et Loïc vainc sa peur de sauter dans l'eau. À la prochaine! Bravo, Loïc! Puis, comment on sent qu'on vainc sa peur? Bien! Bien, hein? Première chose que je fais le matin, c'est faire mes besoins, ouais! Maintenant, il reste qu'à trouver l'endroit idéal, jamais utilisé. Wow! Il est beau ce lever de soleil! Ah, voilà! Ici, c'est parfait! Doum, 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 doum! Mais qu'est-ce qu'il est long, ce pipi! Ça ne finit plus! Ah, je me sens mieux maintenant! Quel soulagement! Vous voyez, c'est pas compliqué d'avoir un chien en voilier! Ouais, c'est bien le mien! Ah non, vous filmez encore? Pas moyen d'avoir de l'intimité sur ce bateau! Vous n'allez quand même pas mettre ça sur YouTube! Qu'est-ce que vous faites de ma dignité? Ah non, vous n'allez pas filmer mon caca en plus! Allez, sors! Un dernier petit effort! Ah, voilà! Je suis la chienne salée navigatrice, ouais!